Bienvenue dans votre nouveau résumé d'étape de la 18e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Après le scintillement hier avec le prologue à Samoin, aujourd'hui nous entrons dans la compétition. Ici, au cœur de Morillon, village de charme, avec des plateaux nordiques magnifiques, nous sommes dans le Haut-Giffre et nous y sommes bien. Une première étape qui va voir s'élancer tout à l'heure. 32 mûcheurs, tout est prêt, tout est calé et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Camille, notre directeur des opérations, tout va s'enclencher à 16h30 précise, Camille. On a de la neige, on a des mûcheurs, on a du public. Le départ, c'est à 16h30 sous l'arche ici. Il est prêt, go Camille. De la neige fraîche sur le parcours de cette première étape entre Morillon et Samoin, rendant l'épreuve très technique, dénivelé positif de près de 1400 mètres et une étape majoritairement parcourue de nuit, entrée en matière parfois compliquée pour les mûcheurs. Dur, très dur. J'aurais pas cru, non mais bien, c'est joli, c'est magnifique, mais dur. Beaucoup de chutes de neige, la piste est recouverte de neige à 5 cm, mais ça se fait. C'est difficile, j'ai dû ramener un chien dans le sac. Voilà, les conditions qui n'étaient pas simples pour la première étape. Une satisfaction parce que ça fait 8 mois qu'on travaille dessus quoi. Donc là c'est parti pour 11 jours de course d'aventure. On est rentré dans le bain direct quoi. Donc une météo avec beaucoup de neige, beaucoup de vent. Mais franchement c'était un régal ouais. Les chiens ont bien travaillé, on a fait ce qu'il fallait à l'entraînement donc ils ont la banane. Les nordiques ils adorent quand ça fait frais quoi. Tu vois ils se couchent, ils sont bien là. C'est nickel. Tant que ça bouge la queue à l'arrivée c'est que c'est bon. En catégorie open, Rémi Coste s'impose sur cette première étape devant Heinrich Winter. Déjà 10 minutes d'écart entre les deux. En catégorie limited, le duel attendu entre Cindy Duport et Aurélie Delattre semble déjà s'installer. Quelques minutes d'écart seulement entre les deux mûcheuses à l'avantage de Cindy Duport. A noter le début du trophée Flexadin Advanced. Pendant 3 jours, 8 mûcheurs vont se disputer le trophée. En nordique, Romain da Fonseca a signé le meilleur temps en catégorie open. Toujours en nordique, Grégory Coffre est leader en catégorie limited. Est-ce que j'ai le droit de repartir faire un tour? C'était vraiment trop bien, une super ambiance avec un public déchaîné au départ. Et c'était vraiment cool, ouais. Hâte d'être demain. Et puis les conditions étaient bien pour moi. J'adore la neige, une arrivée de nuit, tout ce que j'adore. Regardez, ils sont prêts à repartir, donc c'est tout ce qu'on veut, nous dans le team, ouais. Ce lundi, deuxième étape à Prasdelys-Saumans, présentée par le partenaire Zolux. Toujours dans les montagnes du Giffre, étape compliquée de nouveau, 37 km de course et un dénivelé de 900 mètres positif. Départ à 12h30.